on se retrouve pour une nouvelle ouverture de box et ce sera la dernière d'un petit moment. Là c'est bon, ils m'ont envoyé, parce que bon, ils ont envoyé toutes les box en même temps quasiment, il y en avait 4 qui étaient donc en envoi. Là c'est la Pika Box aujourd'hui, la deuxième que j'ai achetée parce que j'ai craqué tout simplement. Ensuite on reviendra à, il y aura la box de mars et la box de janvier, février, mars, avril, la box d'avril, voilà. Oui, j'ai bien travaillé à l'école, j'ai appris mes mois. Donc aujourd'hui on se retrouve avec la Pika Box. Voilà, donc la Pika Box, donc j'en avais déjà reçu une. Vous aurez dans la description le lien de ma première ouverture de Pika Box qui avait été très SNK, ou l'attaque des titans. Alors pour celle-ci, j'aimerais bien ne pas avoir trop de SNK. Non, parce que j'en ai reçu beaucoup sur mes dernières box, la petite pool box et tout ça. Et aussi parce que je trouve ça dommage de mettre que du SNK alors que Pika a beaucoup de licences. On a par exemple Noragami, on a Kingdom Hearts, on a Fairy Tail, on a Codebreaker et plein d'autres, parce que j'ai pas beaucoup d'éditions Pika non plus. Mais je sais qu'il y a plein d'autres choses que Shingeki no Kyojin. Il me semble qu'ils ont aussi Natsu no Taizai. Voilà, donc je pense qu'ils ont de quoi faire. Donc l'illustration qui est très très belle, hein, comme d'hab, comme celle que j'ai derrière. Donc voilà, donc par contre j'ai eu un petit problème avec cette box. Alors s'il y a des postiers qui m'en regardent, sachez que les branleurs parmi vous, je vous jure, j'en peux plus. Voilà, tout simplement, en fait, ça fait donc 4 fois que je reçois des box. J'ai jamais eu aucun problème, les postiers généralement ils sonnent, ils me l'apportent une fois qu'ils ont fini de mettre le courrier dans les boîtes aux lettres. Et là le mec a juste glissé un mot dans ma boîte aux lettres en me mettant absent alors que j'étais là et ma mère aussi était là, donc on ne passe pas à côté d'une sonnerie. Et a dit pas de nom sur la porte, donc voilà. Donc j'ai dû aller la récupérer, donc c'était super chiant. Alors comme d'hab je vais vous montrer sans regarder, donc du coup hop de retour à regarder les mangas. Hop, j'espère que ce sera bien cadré. Alors on commence. Ok, donc on va prendre le premier truc qui vient. Bon bah voilà, je voulais pas trop du SNK. On commence avec du Shingeki no Kyojin. Donc c'est celui de Eren. Mais là je sais pas ce que c'est. C'est un Lodi Chiban Kuji. Il y en avait des tellement plus classe. Donc derrière vous avez ceux qui auraient pu avoir. J'aurais bien aimé avoir peut-être ceux en noir et blanc. Genre celui-là de Levi que j'aime bien en bas. Donc ça reprend des scènes du manga. Et je pense pas que ce soit un clear file. Je vais ouvrir ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Ok, donc c'est vraiment rigide. Voilà, ça me semble pas être un tapis de souris. Parce que c'est pas assez épais. C'est joli, hein, cela dit, j'aime beaucoup. Il y a ça, et il y a en version un peu plus petite. Décolle-toi. Bon, il y a la version un peu plus petite, mais là j'ai un peu du mal à la décoller, donc je la décollerai un petit peu plus tard. Je suppose que c'est un dessous de truc. Est-ce que c'est un dessous de table? Est-ce que c'est un dessous pour écrire? Je ne sais pas du tout. Je pense que je le mettrai comme poster si je trouve une place. Donc on commence avec du SNK. Voilà, je pense que c'est la licence phare. Ok, je sens des bois, donc on va prendre un truc qui traîne. Donc là j'ai du Sakura chasseuse de cartes. C'est un... Bah, je sais pas, des masses. Voilà, c'est un truc qui a un petit crochet pour accrocher. Donc je suppose que je l'accroche quelque part. C'est assez mignon. Donc je pense que ça rejoindra... ouais, j'ai un étalage de trucs qui devrait être accroché quelque part et qui n'est accroché nulle part, tout simplement. Ensuite... Ah ben ça continue dans la série, donc c'est la même chose mais cette fois-ci c'est avec un sceptre. Voilà, donc là un peu plus une box que j'ai l'impression qui est Sakura chasseuse de cartes. Parce qu'il me semble que j'ai en avoir sorti un troisième de trucs comme ça. C'est exactement ça.
Donc là, c'est le sceptre en forme cuillère avec une fraise chantilly dedans. Voilà. Ouf! Ne tombe pas, ne tombe pas. Voilà, donc c'est pas, vous voyez peut-être pas très bien par rapport à la boîte. Donc, je vous les sortirai. Je vais en sortir au moins, je pense. Ensuite, boîte, 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 boîte. Ok, ça sent le. S'il y a vraiment autant de boîtes que j'ai senti, ça va faire. Ok, il va falloir beaucoup, beaucoup de place encore. Ok, donc là, on est dans la série des Sailor Moon. Donc, il me semble que c'est une tasse ou un verre. Sailor Moon est une série que je n'ai pas vue, mais qui est sur ma playlist de lecture. Je vais l'ouvrir parce que ça m'a pas l'air trop compliqué. C'est ça, c'est un verre. Et ben, il est très joli, je trouve. Voilà, donc c'est un verre tout simple, transparent, avec la couronne de Sailor Moon. Je le trouve assez sympa. Voilà, j'utiliserai quand je voudrais boire quelque chose. Il n'est pas arrivé cassé, c'est assez étonnant. Enfin, je pense. La boîte est assez dure en fait, hein, donc je pense que c'est pour cela. Ensuite, on va. Ah, là, j'ai des petits trucs. Oui. Ok, donc c'est un médaillon. Je vais essayer de vous le sortir. Je sais pas du tout d'où ça vient, ça, par contre. J'aurais bien dit peut-être clan, mais je suis même pas sûre. Ça me fait un peu penser à un perso de XXXolic, mais vraiment de loin. De très très loin. Ouais, Made in China, mais c'est pas ça. Il n'y a pas une marque derrière, non? Bon, pour l'instant, je vois pas. Donc, j'essaye de vous le mettre. Vous ne verrez pas forcément très très bien, mais. Voilà, donc c'est un médaillon, en fait, avec un crochet. Donc, je suppose qu'on peut le mettre en collier. Ensuite, y a encore des trucs qui volent. Non. Donc je crois que cette boîte est assez remplie. Et bien c'est un autre verre. Voilà. Je lui fais la même taille que l'autre, il me semble. Ouais, un tout petit peu plus petit. C'est un autre verre Sailor Moon. Voilà, donc celui-là, ouais, je vais vous le sortir aussi, hein. Une box féminine, j'ai envie de vous dire, comparé au SNK, parce que bon, on va pas te dire, mais ouvre-toi, mon Dieu, je suis en train de m'exploser les doigts en vous parlant pour vous. Là, ça va le faire. Là, si tu t'ouvres pas, moi, péter des câbles. Hein. Je déteste les boîtes qui refusent de s'ouvrir. Bon, je vous propose que je vous la montre à la fin parce qu'en fait, ça ne. J'arrive pas à l'enlever, j'ai pas envie de déchirer la boîte ni de m'exploser les doigts, donc je l'ouvrirai après, tout simplement. Donc là, encore des petites boîtes qui passent. Boîte Cap Collection. Donc, c'est du Sailor Moon. Donc là, je crois que je suis gâtée en Sailor Moon. Je crois que c'est une micro-figurine de Sailor Moon. On va réessayer, cette boîte a l'air plus simple à ouvrir que l'autre. Ouais, elle est bien déjà. Plus simplement. What the fuck? Je suis quoi là? J'ouvre un Kinder Surprise. J'en fais quoi là? Il y a du papier. Ok, il y a du carton. D'accord. D'accord. Ok. Oh putain de merde. Pardon. Le truc il est en train de tomber tout simplement. Ok, Doki, Doki chelou. En gros, c'est un bouchon de bouteille. Voilà, et là, j'ai eu le chat. Voilà, j'ai pas eu la Sailor Moon dessus, j'ai eu le chat. Voilà. Oui. Ben, ça me servira pas parce que si je le laisse traîner chez moi, mon chat va se faire justement un plaisir de jouer avec. Donc, je vais le remettre rapidement dans sa boîte avant qu'il finisse sous un canapé ou sous un lit. Hop, je sais pas comment je prends le dessin, mais bon. Hop, on remet ça dans sa boîte. Donc ça, bon, un bouchon, ça peut être pratique. On peut pas dire. Donc là, on arrive aux boîtes un petit peu plus grosses. Oh!
Ah mais qu'est-ce que je vous aime, Japan Box, qu'est-ce que je vous aime. Donc, c'est une figurine de Ban. Voilà, donc c'est une figurine de Ban de Nanatsu no Taizai. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup, même si j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé très bizarre et très cheaté dans l'animé. Donc voilà, donc une figurine de Ban. C'est vrai que je l'avais vue sur plusieurs photos de Pikabox et je me disais type pourquoi j'ai pas reçu Ban aussi bien. Voilà, donc hop, Ban, c'est fait. J'essaie de vous prendre des trucs un peu plus volatiles, mais il me semble que j'ai un peu fini ce qui était volatile. Hop, donc là on passe à une autre box. Et je crois que je vais décéder de bonheur. Il s'agit donc de la figurine de Mikasa de Shingeki no Kyojin. Donc c'est vrai que celle-là aussi j'avais vu sur des images de Pikabox. Tout simplement, j'avais vu celle de Levi aussi, les deux me plaisaient bien. Et ben voilà, c'est tombé sur celle de Mikasa. Donc alors je ne sais pas, je sais qu'il y a... je ne sais pas s'il y aura le matériel de tridimensionnalité, je me souviens plus s'il est fourni avec. Parce que je sais que pour celle de Levi par exemple, il n'était pas fourni avec la figurine. Puis là il nous explique un peu comment le mettre. Donc c'est pour ça que je m'inquiète un petit peu. Ça ne change rien à la figurine, hein, ça reste du Mikasa. Oh, bah là j'ai pas mal de licences différentes donc je suis plutôt contente. Je suis en train de racler le fond mais... Ouais, je suis en train de racler le fond. Là ce qui me semblait, donc là j'ai regardé. La vidéo décide toujours de s'arrêter quand elle croit que j'ai fini la box, mais ce n'est pas fini. Donc tout au fond il y avait une règle Sailor Moon, une règle de... Bah il y a 15 cm mais vu la taille du dessin en fait votre règle elle est super grande quoi. Donc elle rentrera jamais dans votre trousse si vous y pensez. Voilà donc c'est fini pour la box, hein. On est au fond. Je trouve qu'elle était plutôt bien rempli quand même hein, pour cette box là. On a eu deux verres Sailor Moon. Donc je referai un gros récap quand ce sera ouvert. Donc deux verres Sailor Moon. Trois petits trucs. Donc j'ai eu pas mal de Sailor Moon et de Sakura chasseuse de cartes. Hop. 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 J'essaie de vous mettre les trois. Trois petits trucs à accrocher de Sakura chasseuse de cartes. Je vais mettre ça dans la box d'ailleurs. J'ai eu un bouchon chat. Voilà, un bouchon quand je perdrai mes bouchons de bouteille. Non, c'est pas ça que je voulais attraper. J'ai eu un petit médaillon de je ne sais pas qui. Hein, je veux vraiment. Ça, il faudra vraiment que je l'ouvre et que je vois si derrière il n'y a pas une insigne, genre moins le nom du manga. Donc la règle que je viens de vous montrer, le truc bizarre en plastique que je sais pas vraiment ce que c'est de Eren Jagger. Hop. Et les deux figurines, donc celle de Ban de Nanatsu no Taizai et celle de Mikasa de Shingeki no Kyojin. Alors franchement je suis plutôt contente de ma box, même très contente au niveau des figurines, mais je suis contente que les box Pikabox. Alors je pense que c'est une exception un peu puisque chaque Pikabox est différente, ne soit pas totalement Shingeki no Kyojin, parce que il y en a beaucoup et il y en a beaucoup qui aiment pas, et il y en a aussi beaucoup qui étaient fous d'Akura chasseuse de cartes. Donc moi j'ai vu des vidéos où un mec recevait absolument quasiment toute une box de Sakura chasseuse de cartes. C'est pas forcément son délire, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Là on a principalement du Sailor Moon, du Sakura chasseuse de cartes, mais il y a quand même des bons trucs, il y a des bonnes figurines, il y a des bons petits trucs à côté, donc moi je trouve ça vraiment sympa. Donc je vous retrouve au niveau de cette box pour le déballage. Voilà, le déballage est fini de mon côté, donc je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, je vais vous montrer en même temps. Donc j'en ai ouvert qu'un sur les trois porte-clés. Tout simplement j'ai ouvert celui que je préférais vu que pour l'instant j'ai pas vraiment la place de tout mettre. Arrête de tourner là-haut. Donc voilà, donc c'est une cuillère avec, enfin, en forme de sceptre de sakura avec une fraise et de la chantilly. Ensuite on a le médaillon. Donc il me semble que c'est de Sailor Moon aussi. Voilà, je pense. Je sais pas trop. Pas quelque chose que j'ai trop regardé. Donc pour le premier verre je vous l'ai montré et le deuxième j'ai fini par réussir à l'ouvrir simplement. Hop. Et je le trouve très sympa. Donc vous avez en fait trois vitraux. Donc là il y a dedans il y a marqué
Princess Serenity dans le cœur. Et hop, voilà, donc très sympa. Ensuite, j'ai réussi à déballer ce qu'il y avait avec le sous d'assiette, voilà. C'est une carte en carton, donc je vais sûrement la coller dans ma chambre. Et on passe à la partie les plus importantes, maintenant les figurines. On va commencer par celle de Ban, voilà. Elle est toute simple, elle a été enveloppée dans du papier à bulles. Donc je la trouve assez sympa, voilà, avec son socle. Ouais, elle est plutôt bien. C'est pas l'une des meilleures que j'ai reçues niveau qualité, mais elle est vraiment sympa. Moi, je l'aime bien. Ensuite, il y a celle de Mikasa qui est dans la position la plus bizarre que j'ai jamais vue du monde. Voilà, donc la figurine se présente comme ceci. Donc oui, il y avait bien le matériel l'équipement tridimensionnel. J'ai eu un peu de mal à tout installer, mais voilà. Donc tout est installé. Elle est super bien, super grande. Donc voilà. Je suis super contente de l'avoir reçue. Voilà, c'est tout. J'ai pas déballé la règle parce que je compte pas m'en servir. Non, tout simplement, donc je l'ai laissée quelque part dans ma chambre. À part ça, on avait donc les deux autres porte-clés que je vous ai montrés et que je n'ai pas déballé pour l'instant. Donc c'était tout pour cette box. Je suis super contente. Franchement, je ne regrette pas d'avoir craqué sur une deuxième Pick-a-box. Maintenant, je vais me calmer là parce que les figurines, je commence à en avoir pas mal. Et tout simplement, voilà, c'est pas donné non plus toutes les box. Donc là, j'ai calmé ma folie. Là, c'est bon, j'ai fait mon plein de goodies. J'en ai plein. Donc, je suis vraiment super contente. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter, à la partager si t'as envie, à t'abonner à la chaîne YouTube, donc à ma chaîne. À me suivre sur Twitter et Facebook. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.